Celui qui apprend à utiliser ces outils, par choix, avec habileté, va naturellement devenir un être humain à très fort impact. Un être humain est juste une possibilité. Vous pouvez le transformer en une plus grande possibilité. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons affûter un peu les outils. Sadhanapada veut dire Sadhana veut dire outil. Pada veut dire une période où l'on prépare les outils. Quels outils avons-nous? Eh bien, si vous êtes timbré, vous avez peut-être un tube de glu ou de colle sur vous. Allô? Autrement, en tant qu'être humain, les seuls outils que vous ayez sont votre corps, votre mental et vos énergies. Vous n'avez que ça comme outil. Celui qui apprend à utiliser ces outils par choix, avec habileté, va naturellement devenir un être humain à très fort impact. Celui qui n'apprend pas à utiliser le corps, le mental ou les énergies, consciemment et habilement, va toujours penser que le monde est injuste. Oh, lui, il a de la chance. Je suis plus intelligent que lui, mais tout le monde le favorise. Vous avez entendu ces histoires tout le long. Vous pouvez être un échec dans votre vie avec des tas d'explications et de philosophies rattachées à cela. Ou vous pouvez simplement être un être humain réussi. C'est le seul choix qu'il y ait. C'est le seul choix qu'il y ait. Ceux qui ne s'en sortent pas bien avec eux-mêmes ou avec le monde ont toujours de quoi se plaindre. Je suis devenu comme ça parce que mon père n'était pas gentil avec moi. Quand vous êtes si nul, comment pourrait-il être gentil avec vous? Je n'essaie pas d'être méchant avec vous, mais si vous, à un jeune âge, êtes méchant et minable, votre père doit être doublement méchant et minable, vu son âge, je veux dire. Allô? Il est passé par beaucoup plus de vie que vous, n'est-ce pas? Allô? Peut-être que la vie l'a remué bien plus que vous. Et il a aussi dû vous supporter. Cette seule chose, si vous voulez faire des pratiques, si vous voulez apprendre à utiliser ces trois outils de base efficacement dans votre vie, le corps, le mental et l'énergie, la toute première chose qu'on vous a ressassée depuis le premier jour dans ingénierie intérieure, que quoi qu'il arrive, de bonnes choses ont lieu, de mauvaises choses ont lieu, de belles choses ont lieu, de méchantes choses ont lieu, en moi, en dehors de moi, ce n'est que moi. D'accord? Allô? Avez-vous réglé cette seule chose avec vous-même? Si j'y arrive, c'est moi. Si je n'y arrive pas, c'est moi. Avez-vous réglé ça? Sadhguru, on pensait que vous alliez le faire pour nous.
tôt dans sa vie, il faut régler ça, que vous n'êtes jamais le problème dans votre vie. Votre corps, votre mental, vos énergies ne sont jamais le problème. À l'extérieur, il y aura quelques problèmes, mais on peut les gérer si celui-ci n'est pas un problème. Quand celui-ci se met à devenir un problème chaque fois qu'un défi se présente dans votre vie, alors tout ce que vous allez faire, c'est éviter les défis. Si vous évitez les défis, vous allez éviter toutes les possibilités de la vie. Vous allez juste devenir du ricailler. Est-ce qu'il vous donne du ricailler? J'espère que non, ok? Voyez, tout le monde savait que ça rend léthargique. Dans le Tamil Nadu, les enseignants du primaire et du secondaire demandent toujours s'ils voient que quelqu'un est très mou, ils disent ce qui veut dire « avez-vous mangé du ricailler avant de venir ?» Donc ils savaient que ça rend léthargique. Mais il n'y avait pas que les élèves qui en mangeaient avant d'arriver, le professeur aussi en mangeait. Donc, voyez, la léthargie est une chose merveilleuse. Elle évite beaucoup de problèmes, parce que vous ne saurez même pas qu'il y a un problème. Il faut une certaine intelligence pour voir ce qui ne va pas. Tout va bien? Il y a deux façons de ne pas avoir de problème. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui. Quelqu'un a dit, les anges ne sont pas touchés par les problèmes grâce à leur brio. Et les animaux ne sont pas touchés par les problèmes grâce à leur manque de brio. Mais un homme flotte entre les deux et lutte, parce qu'il est toujours une possibilité, pas encore une réalité. Un être humain est juste une possibilité. Vous pouvez en faire une possibilité plus élevée, ou le pousser vers le bas, vers une possibilité moins élevée. Cela dépend essentiellement du degré d'efficacité avec lequel vous pouvez utiliser votre corps, votre mental et vos énergies. Allez-vous les utiliser ou vont-ils vous utiliser? Là est la question. Quand je dis « vont-ils vous utiliser » sans aucun préjugé, sans du tout prendre les gens de haut, regardez juste simplement et attentivement ce à quoi la vie des gens est consacrée. Les vies de la plupart des gens sur la planète ne sont consacrées qu'à l'entretien de leur corps, à la satisfaction de leurs besoins psychologiques, besoins émotionnels, c'est à peu près tout. Allô? Toute leur vie est organisée rien que pour ça. Vous pouvez appeler ça entreprise, vous pouvez appeler ça carrière, vous pouvez appeler ça famille, vous pouvez appeler ça maison, mais juste pour répondre aux besoins, besoins physiologiques et psychologiques, la vie tout entière est organisée, n'est-ce pas? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je vais suivre votre avis. Vous ne me croyez pas. C'est bien. Cette physiologie et cette psychologie sont là pour vous servir ou pour que vous les serviez? Elles sont censées nous servir. Mais la plupart des êtres humains les servent, elles, toute leur vie. Quand ils petit-déjeunent, ils planifient leur déjeuner. Quand ils déjeunent, ils planifient leur dîner. Et ainsi de suite. Il est toujours question de nourriture, d'abri, de sécurité, d'émotions les uns envers les autres, n'importe.
Essentiellement, pour les besoins physiologiques et psychologiques, la vie tout entière est structurée autour de ça. Eh bien, on appelle ça la vie normale. Donc, mon intention, c'est que vous deveniez anormal. Que vous utilisiez votre corps et votre mental pour améliorer cette vie, pas pour asservir cette vie. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons affûter un peu les outils. Autrement, le matin à 5 heures, le corps dit « Ah, n'importe quoi, tais-toi et dors. » Je pensais que les gens qui veulent mourir font comme ça. Mais les gens qui veulent vivre font comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Ceux qui veulent mourir vont fermer les yeux et... ceux qui veulent vivre doivent être levés pour attraper les premiers rayons du soleil avant qu'ils ne touchent la planète. Vous devez être le premier à attraper les rayons du soleil, pas les insectes, pas les oiseaux, pas les brins d'herbe. Vous devez être le premier à les recevoir. Eh bien, voyez juste tous les jours, au cours des deux prochaines semaines, recevez juste les premiers rayons de soleil sur votre corps et voyez ce qui vous arrive. Vous allez vivre une toute autre vie.